Mesdames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Merci de votre fidélité. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 24 janvier 2024 avec Monsieur Héritier. Bonjour. Oui, messieurs les journalistes, bonjour aussi. Comment vous allez? Nous allons bien pour le moment. Nous remercions l'Éternel Tout-Puissant. On va commencer avec la poursuite des affrontements dans les territoires de Nyiragongo où les Oisalens nous s'affrontent aux rebelles du M23. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes patriotes ou les résistants patriotes Oisalendo sont devenus des mires pour les M23? Oui, monsieur le journaliste, d'abord je commence par féliciter le gouvernement pour son engagement. Parce que surtout depuis le début, nous avions constaté que le gouvernement s'attendait à ce qu'il puisse terminer cette guerre par la diplomatie, mais malheureusement pour nos ennemis, et ne voulait pas comprendre ça par la voie de la diplomatie, par la voie diplomatique, et voulait que cette guerre puisse se terminer par les coups de feu. C'est pour cela que le gouvernement a décidé mieux de s'engager sur les lignes de front pour qu'ils puissent affronter les ennemis de la paix. Vous vous souviendrez avec moi, messieurs les journalistes, que c'était vers 2000, je pense vers 2018-19 comme ça, un sac de pommes de terre coûtait une affaire de 150 000 francs comme ça, je crois, si pas 80 000. Voilà. Mais pour le moment, si vous arrivez au marché, au grand marché, vraiment, les choses n'évoluent pas. Pour le moment, un sac peut coûter une affaire même de 200 000 francs, voire au-delà. Un sac de pommes de terre. Alors qu'auparavant, ce n'était pas comme ça. Alors pour moi, j'ose croire que le gouvernement, si réellement le gouvernement vient de s'engager, si le gouvernement ne retournera pas dans ce chemin-là du cessez-le-feu, pour nous, la population, nous osons croire que ça sera grand chose pour nous. Parce que nous avions constaté que, monsieur le journaliste, vous êtes avec moi ici à Goma, si vous vous déplacez tout petit peu, arriver ici dans des cas de déplacés, vous allez constater que vraiment les gens là souffrent beaucoup. Et ce sont ces mêmes déplacés là qui, dans l'ancien temps, ce sont eux qui cultivaient là, dans des villages partout, à Masisi, au Tchourou, même ici vers Nyiragongo. Ce sont eux qui cultivaient la culture pour que nous, population ici de Goma, puissent trouver à manger. Mais pour le moment, la vie est devenue très chère, surtout à cause de cette guerre ici que nous sommes en train de vivre, une guerre injuste, parce que le pays est agressé. Alors c'est pour cela que moi, pour le moment, je peux dire que les Oisalendo, pour le moment, que d'abord, nous les remercions, nous les félicitons, nous, en tant que population, parce qu'ils sont devenus boucliers pour nous, population. Parce que si ces gens-là parvenaient, ou si les Oisalendo, le phare de ces parvenaient à quitter sur la ligne de front en train de fuir, jusqu'ici à Goma, nous-mêmes, population, on serait à des bandades. Mais pour le moment, nous remercions ces gens-là, appelés communément les Oisalendo, pour ces efforts-là qu'ils sont en train de fournir, pour que la population puisse avoir la paix dans l'état futur. Leur motivation et leur détermination est due à quoi? Leur motivation et leur détermination, selon moi, à ce que je sache, c'est bien, même vous-même, dans votre maison, lorsque y a quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui veut venir dans votre maison, venir vous menacer vous-même. Je ne sais pas, un serpent, prenons un exemple de serpent. Un serpent vient de l'extérieur et entre dans votre maison. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, attaquer parents ou même les enfants? Lorsque le serpent vient d'entrer dans votre maison, je pense bien que la toute première des choses est les enfants et les parents. Tout le monde doit se mettre à la pâte pour que le serpent puisse quitter dans la maison. C'est pour cela que
je crois que les Ouazalendo sont motivés puisqu'ils veulent à ce qu'ils puissent avoir la paix. Ils veulent à ce que leurs parents, leurs enfants puissent avoir la paix. Parce que sans paix, on ne peut rien faire dans les pays. Les écoles, les hôpitaux, tout est bloqué. C'est pour cela que les Ouazalendo, je crois qu'ils sont motivés parce qu'ils veulent à ce qu'ils puissent avoir la paix. Mais c'est une responsabilité de l'État congolais qui devrait se mettre en œuvre. Pour ça, est-ce qu'on peut noter que l'État congolais a échoué dans sa défense? Bon, pour ça, je peux donner même un exemple. Vous pouvez prendre l'exemple de pays qui nous entourent ici, ou même le pays, les Occidentaux par exemple, les pays asiatiques et les pays européens. Les Européens, les Asiatiques, ils ont déjà formé dans leur propre pays les réservistes, n'est-ce pas? Est-ce que lorsque ces gens-là forment les réservistes dans leur propre pays, c'est-à-dire que le gouvernement a failli à ses missions? Je ne pense pas. Donc moi, je pense que le gouvernement est en train de fournir les efforts pour que la population entière, pour que le peuple congolais tout entier puisse avoir la paix. Donc, pour nous, ce qui nous inquiète est que nous puissions avoir la paix, que ce soit l'État congolais ou que ce soit les accompagnateurs ou ces gens-là qui nous entourent ou ces gens-là qui sont nos amis, les alliés au fait, nos alliés, que ce soit eux qui peuvent venir pour nous aider et pour que nous puissions avoir la paix dans l'État futur. Pour nous, ce n'est pas un problème. Nous ne pouvons pas dire que l'État a échoué. Imaginez si on vous dit que, à cause de tous ces efforts-là que le gouvernement a fournis, l'M23 n'est plus. Est-ce que nous pouvons dire que les Ouazalendo ou le gouvernement aura mal fait? Nous ne pouvons pas dire cela, je ne crois pas. Donc, l'essentiel pour nous est que le gouvernement puisse continuer à fournir plus encore des efforts pour que nous puissions avoir la paix. Rien que la paix. Nous, c'est seulement la paix, ce que nous voulons, nous, attaquer le peuple congolais. Aujourd'hui, dans la cité de Mueso, dans le territoire de Masisi, ouais, il y a eu des détonations d'armes lourdes et légères. Des affrontements qui opposent les M23 contre les Ouazalendo. Pourquoi est-ce que les M23 ne veulent pas se retirer aujourd'hui? Bon, vous savez, chacun a ses objectifs propres à lui. Bon, je ne sais pas quelle idéologie ces gens-là reçoivent provenant de leurs dirigeants. Vous savez, personne n'oublie que ces gens-là viennent de pays de l'étranger. Alors, je pense bien que ces gens-là, on leur donne une idéologie là. Et cette idéologie, je pense bien qu'un jour, on avait suivi leur président, Paul Kagame, en train de dire que lui, il veut assez qu'il puisse récupérer toutes les terres qu'on lui avait ravies dans l'État jadis. C'est-à-dire, pour eux, lorsqu'ils viennent ici, ils savent bien qu'ils viennent s'affronter pour qu'ils puissent réavoir leurs terres, en fait. Permettez le terme. Donc, ces gens-là, leur idéologie est que la RDC leur appartient. Alors, lorsqu'ils viennent ici, ils refusent de retourner parce qu'ils savent bien que même s'ils retournaient chez eux, après guerre, il peut y avoir toujours la justice, peut-être, qui peut surgir, au fait. Vous savez, nous pouvons prendre même l'exemple de notre pays voisin ici, le Rwanda. Il y avait un génocide là-bas, mais les gens qui avaient commis ce génocide-là, ce n'était pas ce même jour-là qu'on leur avait attrapé, mais c'était après-guerre. Donc, il y a la période d'avant la guerre, mais aussi la période d'après la guerre. C'est-à-dire, ces gens-là ont peur. Ils veulent à ce qu'à tout prix, ils puissent continuer toujours à s'affronter parce qu'ils savent que même s'ils retournent chez eux, c'est la prison à faire des comptes. Alors, c'est pour cela qu'ils continuent. Mieux vaut. Donc, ils veulent à ce que mieux vaut qu'ils puissent mourir ici au lieu de retourner chez eux. C'est ça leur idéologie. Alors, pour nous, l'État congolais aussi, heureusement, l'État congolais aussi est déterminé à ce qu'il puisse à découdre avec ces gens-là jusqu'à faire des comptes. Alors, pour nous, c'est question tout simplement de continuer à prier pour le gouvernement pour qu'à faire des comptes, nous puissions gagner cette guerre. Parce que si nous la perdons, ça sera fini pour nous.
Mais si est gagné, ça sera vraiment catastrophique pour la RDC, pour toute la région entière. Est-ce qu'on peut dire que les M23 finiront à aboutir dans leur guerre? Bon, pour moi, attaquer Congolais, je ne pense pas que ces gens-là puissent réussir leur mission. Puisque si vous vous souvenez bien de l'histoire, essayez de retourner en arrière. Vous allez constater avec moi que cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont ces mêmes gens-là qui étaient venus avec notre musée Laura Désiré Kabila. Ce sont ces mêmes pays-là qui avaient frappé Mobutu, en fait. Ce sont ces mêmes pays-là qui continuent à venir nous agresser. Ces gens-là se sont démontrés. Ils ont montré leur intention là, lorsqu'ils étaient ici. Nous étions ici ensemble lorsque l'EAC était ici. L'EAC n'a pas démontré de quoi ils étaient capables. Ils ont démontré comme quoi ils sont des traîtres. Alors, pour moi, à ce que je sache, je sais bien que ces gens-là, ils ne gagneront pas cette guerre. Ils sont venus avec Mouzé, ils ont échoué. Ils ont formé la RCD, ils ont échoué. Ils ont réformé CNDP, c'est pas M23 deux fois, mais ça continue à bâcler. Donc pour eux, c'est du malheur, je ne sais pas. Aujourd'hui, ils ont le soutien de l'AFC, Alliance du Fleuve Congo, de Corneille Nangaa. Bon, ils ont le soutien de Corneille Nangaa, mais vous pouvez croire que c'est seulement Corneille Nangaa, mais derrière Corneille Nangaa, c'est tout un arbre qui cache toute une forêt. Comment? Donc, derrière Corneille Nangaa, je peux vous donner un exemple. Ça s'explique comment? Vous pouvez constater avec moi que lorsque otage à 10, lorsque les M23 avançaient, les pays occidentaux, ils étaient calmes. C'était de la calmie vraiment totale. Mais lorsque les FARDC avançaient, lorsque les FARDC progressaient, toutes les radios, vraiment, il y avait des agitations. Non, non, essayez de laisser, non, non, cette guerre ne finira pas par la guerre, non, non. Vous pouvez quand même essayer de temporiser, essayer de dialoguer, discuter. Vous voyez, donc par là des gens, vous allez constater que par des paroles, vous savez, on peut connaître vos intentions par les paroles seulement. Les paroles seulement vont constater ce qui est dans votre cœur, ce qui est en vous. Alors, selon ce que les Occidentaux disent, bon, nous les Congolais directement, nous pouvons directement faire des conclusions. C'est ça. Donc nous pensons que derrière les M23, ils ne sont pas eux seuls. Ou bien, excusez monsieur les journalistes, est-ce que avez-vous déjà vu un groupe armé qui peut combattre tous les groupes armés se trouvant au pays? Ils combattent même l'armée nationale, ils combattent même ceux-là qui viennent pour former notre armée, les formateurs. Est-ce que vous avez un jour vu cette rébellion-là au monde? Où au monde? Ces gens-là sont soutenus par les pays étrangers, les puissances occidentales. On va parler pourquoi est-ce que les Occidentaux ne veulent pas alors s'investir dans cette guerre comme il est faux, en Israël, en Ukraine et tout le reste. Vous dites ne veulent pas. Pourquoi est-ce que les Occidentaux, comme vous les accusez, pourquoi ils ne veulent pas s'investir dans cette guerre comme il est faux? Guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, l'Israël, les Palestine et tout le reste. Oui, ces gens-là, vous savez, ces gens-là, ils ont leurs propres intérêts. Ces gens-là regardent là où ils ont leurs intérêts. Pourquoi ils ne veulent pas nous aider? Ou pourquoi ils ne veulent pas condamner les Rwandais? N'est-ce pas que tous les jours, ils disent que c'est les Rwandais qui nous agressent? Ils ont même déjà publié plusieurs rapports qui sont toujours dans des armoires, des rapports qui ne servent à rien. Nous n'avons jamais vu ces gens-là venir et dire à Kagame que non, non, dès aujourd'hui, nous vous sanctionnez suite à la guerre que vous êtes en train de mener en RDC. Cela démontre que ces gens-là ne veulent pas de nous. C'est-à-dire ils voient que chez Kagame, ils gagnent plus que ce qu'ils gagnent et veulent passer par des fenêtres. Donc, passer pour eux par des fenêtres, ils gagnent plus que de passer par une grande porte. C'est ça pour eux. Donc, eux veulent à ce que la guerre puisse continuer parce que là où il y a la guerre, leurs ONG vont continuer à recevoir des financements et c'est la RDC qui va payer pour ça. Ne pensez pas que des ONG sont là pour rien. Donc, pour eux, la guerre, là où il y a la guerre, là on gagne. Et c'est comme otage à 10, ces gens-là disaient non kunda, non job. Vous voyez. Donc, chez eux, là où les gens souffrent, les choses marchent. Mais là où la RDC veut avancer, là vraiment, ça ne va pas pour eux. Donc, l'essentiel, moi, j'aimerais, c'est que ces puissances-là puissent vraiment changer d'avis. C'est ça.
Pourquoi est-ce que c'est Kagame seulement qui est mal parlé dans la région? Kagame, le président. Pourquoi Kagame? Je pense que c'est à Kagame lui-même. Pourquoi seulement lui qui est taquiné par le président rwandais, par le président congolais, par le président burundais? Kagame, qui fait Kagame? Pourquoi seulement lui qui est mal parlé dans la région? Pour moi, je crois, si nous posions, peut-être la bonne manière de faire serait de poser à Kagame cette question pour qu'il nous réponde réellement ce qu'il veut dans la région. Parce que je ne sais pas si quelqu'un, une seule personne vraiment, tu peux être accusé à tout le temps et tout le monde parle de toi mal, mais tu ne veux pas changer. Je ne sais pas. Pour moi, peut-être c'est puisqu'il a étudié la criminologie. Et c'est ce qu'on les apprend dans la criminologie. Selon moi, c'est ce que je pense. Parce que je ne sais pas si un homme normal, tout le monde parle de toi mal, mais tu continues à faire des velléités. Donc pour moi, je ne sais pas que Kagame a encore assez d'état dans la région. Parce que même un voisin vraiment... Parce que je... Oui, excusez. Mais pourquoi est-ce que le président rwandais et le président burundais, ça ne va pas? Le président rwandais et burundais, ça ne va pas. Je ne pense pas que cette situation a commencé hier ou avant-hier. Ce sont des situations qui venaient même autant, j'ai dit, c'est depuis longtemps. À un certain moment, on avait dit encore que M. Kagame, avec Ngurunziza, c'était à l'époque. On l'avait soupçonné même que c'est lui qui était à la base du coup d'État qui avait raté même au Burundi. Vous voyez? Donc, pour nous, peuple congolais, l'essentiel serait à ce que ce monsieur puisse quitter au pouvoir. Mais si ce monsieur continuera à être là, les choses continueront à basculer toujours dans le mal. Ce que je sens, c'est ça. Est-ce qu'il arrivera un jour que le Congo pourra fermer ses frontières via les Rwanda? Oui, je pense bien que tout est possible. Tout est possible pour un pays. Puisque si le gouvernement réellement essayait d'asphalter les routes, la route qui part de Goma vers Bukavu jusqu'au Burundi, ça peut nous faciliter tout petit peu. Mais aussi... la route numéro... C'est numéro 2 ou numéro 4 ici à Bunagana. Oui, la route nationale numéro 4. Si ces routes-là seraient asphaltées, je pense que le gouvernement peut mettre tout en œuvre pour qu'il puisse fermer les frontières. Parce que à l'état où nous sommes, je ne sais pas si on ferme ici la frontière, même trouver le mot, ça sera difficile pour nous ici à Goma. Alors, pour ça, je pense bien que le gouvernement, pour le moment, je ne pense pas qu'on puisse fermer des frontières. Félix Antoine Tshisekedi, réélu président de la République, le pensez-vous, malgré ses discours, sera capable à relever ce défi de la sécurité à l'est de la République? Bon, pour nous, population, nous pensons que nous continuerons à lui souhaiter de bonnes chances, en fait. Donc, nous, c'est question de lui souhaiter, parce que nous ne pouvons pas souhaiter le malheur de nous-mêmes. Nous pensons bien que M. le Président de la République, il va continuer à fournir des efforts comme il a cette intention-là. Donc, la toute première des choses, c'est avoir l'intention de faire ou la volonté de faire quelque chose. Si vous n'avez pas la volonté, ou si vous ne pouvez pas prétendre avoir quelque chose, mais comme la volonté est en lui, nous osons croire que vraiment, Dieu va lui accompagner et il va réussir à sa mission. C'est ce que nous osons croire. Les FARDC, la SADC, les Wazalendo, les pensez-vous qu'ils seront capables à relever ce défi de déloger les M23 sur les sols congolais? Oui, nous osons croire que vraiment la SADC, comme elle n'est pas venue comme l'EAC était venue, les choses vont évoluer sur le terrain. Parce que nous avons constaté que depuis qu'ils sont là, ils ne sont pas partis là où les M23 restent, comme c'était chez les soldats de l'EAC. Parce que les soldats de l'EAC, lorsqu'ils étaient arrivés ici, directement, ils étaient passés jusque là où il y a les M23 et ils avaient cohabité ensemble, ils mangeaient ensemble et tout allait de soi. Mais pour la SADC, nous avons constaté que quand même il y a une différence. Alors, pour le moment, nous avons constaté que la SADC commence à aller même vers les lignes de front, mais avec nos FARDC, ils ne sont pas avec ces gens-là du M23. Alors,
Même s'il travaille à coalition, le M23, nous aussi nous continuerons à travailler en coalition. Et en fin de compte, nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, l'aide divine, nous allons gagner toujours cette guerre. Nous finirons toujours à gagner cette guerre. Pour finir, un message pour le FRDC. Pour le message de FRDC, moi, d'abord, ce sont nos félicitations. Nous continuerons à féliciter nos soldats parce qu'ils continuent à dormir sous la pluie. Ils continuent à dormir sous des intempéries nocturnes comme diurnes. Alors, pour nous, d'abord, ce sont nos sincères félicitations à ces soldats-là qui continuent à s'engager sur la ligne de bataille. Parce qu'ils vont là souvent en sachant qu'ils peuvent perdre leur vie là-bas à cause de nous. Donc, ils se battent à cause de nous. Nous dormons dans nos maisons calmement, bonnement jusqu'au petit matin, mais eux continuent à ne pas fermer l'œil à cause de nous. Alors, pour cela, nous continuons à dire courage vraiment à nos vaillants soldats. Et Dieu va continuer à vous aider. Et nous, population, nous, en tant que population congolaise, nous allons continuer toujours à vous soutenir. Et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie et passez une excellente journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci, mon frère. Merci aussi, monsieur le journaliste. Que Dieu vous bénisse aussi.